Kounye a se moman pou nou pataje avek ou rubrik nou gen pou nou wè, nou gen pou nou tende lan deni tan sa an ap viv la. Kon mou konen deja, rubrik sa prodwi par Ministère Défenseur de la Foi Chrétienne avek Groupe Écho de l'Harmonie Céleste. Il diffuse chak samedi matin. Si ou tabli kontakte Ministère Défenseur de la Foi Chrétienne avek Groupe Écho de l'Harmonie Céleste, numéro yo c'est 36 06 79 51, 36 06 79 51, 36 46 79 36, 36 46 79 36. Si vous estimez ou raté quelques émissions, que ce soit prophétie biblique ou rubrique, sous table nous partager quelques bagailles intéressantes avec vous, et bien faites signe dans 36 06 79 51 pour me connecter avec vous sur WhatsApp. Semaine ça nous voulons aborder ou encore continuer avec un sujet que nous avons commencé, mais nous trouvons que c'est deux points d'actualité qui est tellement important, nous pas capable pas attirer attention sur yo. Frères et sœurs, ça que nous devons mettre dans tête nous et c'est comprendre ni pas rien cap améliorer dans monde ça. Rébellion contre le grand Dieu tout-puissant pratiquement prend vitesse de croisière li. Et n'a même osé dire, li atteint point de non-retour. Remarquez, presque tous les dirigeants de ce monde pratiquement aller dans le même sens. Même si vous pas fait bagay aux mêmes gens, mais ça fait bon Dieu à vous voulez mettre sous côté. Sak table parler de bon Dieu, y a font gens pour écarter parce que notion Dieu a gon bataille féroce qu'a mené contre. Nous connaissons trois grandes religions soi-disant monothéistes sous planète là. Obligé de dire soi-disant parce que l'on considère comment les hommes avares religion ça yo qui croient en opulence yo. Nous comprenons que gon l'autre Dieu a pas adoré. Luc 16 verset 13. Nul serviteur ne peut servir de maître car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Pour nous-mêmes, nous plus intéressés à judaïsme et christianisme. Parce que au moins, nous connaissons qui Dieu y a pas adoré. Même si grand pile infiltration, même si bagay yo complètement changé dans le judaïsme là, petit Israël yo pas capable d'observer tout principe. Bon Dieu te bay yo, en pile froid, yo lage ko yo l'anbwa, et bon Dieu obligé prendre des sanctions sévères contre yo, jusqu'à ce que yo nan interdiction formel yo te gen, c'était pour pas jam adorer yon l'autre Dieu ni fait statue, mais yo te fouye ko yo l'idolâtrie, tête baissée. Le christianisme, malheureusement, qui bien commencé au jour de la Pentecôte, après l'apôtre Pierre te fin prêcher que 3000 monde te recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel yo, et l'église te démarré avec force. Il t'a subi gros persécution jusqu'avant monsieur ça empereur romain ça qui était le Constantin te vin fourer mel fourer col dans affaire l'église et que le prend contrôle mouvement qui fait nous gagner ça nous gagne jodi a là. Gonzan même t'a discuté avec lui et que lui s'était posé une question sur qui base théorie pour me dire christianisme là. C'est Jésus-Christ qui fonde l'. Alors, m'touve, monsieur, très intéressant. À question posée, ah, eh ben, peut-être que l'autre monde qui a pensé même j'avais l'. Alors, m'a dit, m'a fait lumière, non? M'a essayé. L'autre monde adhéré à la religion bouddha, qui aurait le bouddhiste. C'est pas ça? Bon exemple. Si c'est à la religion hindou, il adhéré, il aurait le hindouisme, etc. Eh ben, dans ce cas, nous connaissons tout le monde qui fait partie de l'église, là. Il aurait le chrétien, ça veut dire, disciple Christ, nan Christ, qui ça nous est? Christianisme. Si c'est vrai, comme dictionnaire a dit, religion signifie adhésion à un culte, à ses rites et à ses dogmes. Donc l'église a gagné forme culte, li, il gagne rite, li, il gagne principe, li. Qu'est-ce qui est établi? Jésus-Christ. Et d'autant plus nous connaissons, la religion, c'est route. L'homme prend pour capable chercher bon Dieu. Et c'est ça qui fait nous avons toutes sortes de religions. Même animis yo. Moun apre le vodouisan yo. Son religion. Yo ba un culte. Yo gen rite yo. Yo gen principe yo. Qui sap chercher? Yap chercher Dieu. Peut-être yo capable pas chercher le vrai Dieu. Yap chercher Dieu quand même. Dans ce cas, nous ka d'accord avec le christianisme. C'est Jésus qui mette base li, fondement li. Et c'est dans la religion ça seulement ou jouen l'église. Je dis à parler l'église de Satan. Comme Satan c'est macaque. Adep yo c'est macaque.
tout. Il a cherché imiter et déformer, mettre confusion dans ça. Bon Dieu fait. Mais ça va exister l'église de Satan. Ou un temple maléfique, mais on va avoir l'église. Souvenez-vous que nous avons dit, mot l'église là, pour une fois le paraître, n'est pas désigné culte religieux, c'est de plutôt une assemblée de discussion, côté chaque monde tape défendre intérêt communauté. Ok, là nous prenons l'église ou l'église de Satan. Là nous s'achetons en assemblée. Qui bagarre de bon à planifier? Sinon pour détruire l'être humain. Donc tout le monde considère, a fait l'église de Satan, c'est la pure confusion. Bon, j'aime d'abord dire nous là, je dis on devait parler de religion, surtout on doit considérer le judaïsme et le christianisme pour commencer ouais qui des autres qu'a fait en dedans yo et qui gens nous mêmes chrétiens nous doit positionner nous. Mais m'obligé aller dans l'autre dossier que m'estime qui très important parce que m'pas oublier yo. On l'autre fois on a retourné sur ça puisque document yo là, des bon Dieu ba nous possibilité, ba nous temps, s'il pas venir retirer nous, s'il kembe nous en vie. N'a toujours capable de partager ensemble avec vous. Bon, n'a pas dit que la rébellion monte en flèche dans ce monde et la bataille, s'il pas atteint déjà, point de non-retour. Et ça pourrait attirer inévitablement la colère du Dieu créateur tout suffisant. Avertissement que nous joignons dans Colossiens 3, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 5, là, c'était une recommandation de l'apôtre Paul qui dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Voyez-vous, regardez, remarquez, c'est toute bagaille ça yo qui attirait les hommes de notre temps. Yo pas fait yo mourir, mais yo défend yo, yo fait propagande pour yo et yo combat moun qui pas d'accord avec yo. Première grande rébellion était initiée par Satan le diable. Ça veut dire l'adversaire et l'opposant. Mais actuellement, bah quoi nous font faute si nous dit la dernière grande rébellion est enclenchée dans l'époque ça que nous vivons là. Est-ce que c'est un privilège pour nous qui là en tant que chrétiens pour nous rebagager ça yo? Est-ce que c'est un châtiment? M'bap dit c'est un privilège ni c'est un châtiment. Moi crois que bon Dieu placer nous comme des pions et des soldats intrépides. Dans moment ça, li compter sur nous, nous-mêmes en gomme pour ne pas faire honte. Moi-même m'a gomme pour ne pas faire communauté nan honte. C'est-à-dire frères et sœurs, dirigeants qui prennent au sérieux, bah le font rien que pas ça pour me déçuer. Ou même tout frère Maxime, capitaine de là, gomme tout pour pas faire rien que pas ça pour déçuer communauté Paul là. Donc n'a pas évité pour nous compter parmi les rebelles de ce temps que nous identifions comme le dernier. Rappelez-nous qui mac fabrique rébellion, c'est impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et l'idolâtrie. Au lieu pour les hommes courir vers la vie éternelle, y a maintenant course plutôt vers la mort éternelle. Qui est-ce qui a pris une décision pour entrer en confrontation avec le Dieu Tout-Puissant? C'est pas les masses. Bien entendu, masses là, en majeure partie, à suivre. Autres grands dirigeants apprennent. Des fois, ils sont pas d'accord, mais ils mettent une situation. Pour faire ça, on vient avec les faits comme exemple. Nous parlons de la religion d'abord, dans le christianisme nous. Comme nous avons déjà dit, actuellement nous faisons face avec un faux christianisme. Ça n'a pas gardé qui visible là, qui puissant, c'est un faux christianisme. Vrai, il n'a que chaque chrétien respecté par le bon Dieu qui a fait tout ça au capable pour appliquer. Faux christianisme campé sous mensonge pur et simple. Par exemple, l'un grand chef de l'église, plus grand chef de l'église, bien entendu, synagogue de Satan. Parler de Jésus-Christ quand même. L'El campel tron sa Marie, la porte du ciel. Et puis il y a des millions de personnes qui ont suivi qui d'accord avec elle que Marie, la porte du ciel. Tandis que Jésus-Christ, petit bon Dieu, lui-même lui dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bon. Il y a un autre homme qui dit que c'est serviteur bon Dieu, il dit carrément, Marie c'est reine dans le ciel là, c'est porte du ciel, c'est toute bagaille.
Donc, grand chef l'église Rome nan te déclaré bagay sa. C'est un blasphème total capital. Ça veut dire pour moun ki ta doué défendre la foi, défendre le christianisme, c'est eux même qui mettez ensemble à l'autre groupe pour étouffer la vérité qui écrit dans la Bible là, qui c'est parole bon Dieu. Donc yo campé en opposition et bon Dieu pa gagne pour le café que détruit ces rebelles. Gouvernement français actuel là a mené une campagne très ségulaire pour démontrer que loi de la République, à dire les lois humaines, supérieures à la loi de Dieu. Nous ka comprendre ça? C'est ça au déclaré mais avec propre bouche. Quelle arrogance! Là où ka comprendre, c'est adepte petite conne Daniel chapitre 7 verset 11 là avec bouche Apocalypse chapitre 13 verset 5 là qui a parlé comme ça. Ou même serviteur bon Dieu qui vivent en France. Ou pral gagner pour obéir à toute loi gouvernement prend même lorsque croyance ou nan bon Dieu contre li. Bon? Et au bon prétexte, y a mené une bataille contre les séparatistes. Pas oublier la France un grand pays qui toujours bat le temps hein. Là le gouvernement français a dit un bagaille, mettez en tête tout décision ça va étendre vers d'autres pays dans l'Union européenne jusqu'à ce que l'étendre vers un bon autre pays dans Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique latine. Souvent décision ça ou apprend c'est pas gouvernement pour compte qui prend gen l'autre gros organisation qui associé avec eux et qui ba le ton et ça ou gouvernement français a dit a ou déjà connaît l'ONU pral dans même sens non parce que position ça même s'il pas déclaré mais il était là déjà nous dit ça en fonction des décisions que nous cap prend yo d'ailleurs organisation ça fait longtemps l'a mené en bataille contre la chrétienté pour tout abus qu'a fait sous chrétien dans monde là c'est pas facile moi entendez l'ONU prend décision en faveur les chrétiens même les états islamiques t'a coupé tête yo. Ça son pas mérité pour nous rester souligner un peu. Le gouvernement français a déclaré la loi humaine supérieure à la loi de Dieu. Ces affaires considérées évangéliques comme un problème. Maintenant, du grand bon soi-disant évangélique qui a obéi tête baissée à toute loi gouvernement prend. Yo chita son verset pour dire faut que nous obéir à l'autorité établie. Mais si pour nous obéir à l'autorité établie aveuglement, nous pas même besoin identifier nous comme serviteurs bon Dieu. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce que les disciples t'ont obéi aveuglement à l'autorité établie? Remarquez, l'église t'est subi une grosse vague persécution qui fait chrétien t'ont gaillé et papillé, caché, discret parce que t'ont refusé obéir à vie loi dirigeant au meilleur t'apprend et actuellement il y a une persécution chrétien qui très dur en Chine parce que chrétien qui suivent la Bible tout bon vrai pas vle obéir à n'importe vie loi autorité établie apprend et c'est ça qui pral mener une vague persécution des vrais chrétiens. Je me toujours pose cette question, est-ce que c'est bon façon bon Dieu pour le faire pour épurer l'église là quitter vague persécution ça arriver sur nous pour monde pas bon Dieu tout bon vrai capable distinguer tête vrai côté tout monde pour aller sac vrai à sac faux qui l'on chrétien faux c'est l'elle va respecter parole qui écrit dans Bible là c'est l'elle chita parmi les ivrognes parmi les impies ça veut dire prend position pour monde cap dérespecter bon Dieu chrétien qui vrai a fait le contraire et prêt pour tirer conséquences de position là donc n'a vivre longtemps de grandes tentations côté grand pile bagaille pour pral vivre cap sorti dans l'église là même Jésus-Christ t'a annoncé Matthieu 24 verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Il n'y a pas deux monde dehors, non? Il n'y a pas les là. C'est deux monde qui dans l'église même. Ça habitué arriver et ça va arriver encore. Pire toujours dans le temps, non? Vous pouvez aller, il y a des fidèles. L'église, c'est berger même qui va le faire condamner pour position qu'il prend pour bon Dieu. Il y a des leaders de l'église, c'est même l'église eux-mêmes qui va le faire condamner. Parce que tout simplement, la prêcher contre iniquité. San Abdullah, pas étrange, il y a des gens qui commencent à vivre cette situation ça déjà. Pour raison, nous croyons l'église a subi persécution dans la zone jusque-là, ils ont été sentis à l'aise et confortables. Maintenant, nous avons dit l'église a fait attention. Nous ne parlons pas de monde qui a fait compromission. Nous avons parlé de monde qui va blesser d'un petit pouce dans le respect pour la parole de Dieu. Comme nous déjà connaissons, dans le pays communiste, chrétien t'es toujours ciblé, persécuté. Ou en Corée du Nord, ou t'es en Cuba, par contre, en Zaïre. Par exemple, Pakistan, Iran et un bon autre pays encore. Pays qui en bas gros dictature. Cependant, pendant l'année où a écoulé, avancement de l'agenda progressiste
placer christianisme comme cible parce que chrétien a défendre un principe, yo le principe conservateur non négociable, mais en réalité c'est bagaille qui écrit dans Bible là, nous-mêmes nous pas céder, nous va voir fouer comme nous dans sauce monde là, je nous la fête là. Par exemple, tout vrai chrétien a toujours défendre l'union conjugale uniquement entre l'homme et la femme. Pas de question pour des garçons, des femmes ensemble pour yo dit yo marié. Pas de question pour un homme ou bien femme coucher avec propre petite li ou bien avec membre proche dans famille. Gon gros scandale qui secoue la France là, c'est monde qui l'en haut société qui gen gros nom écrivain etc. Et scandale pété, yo violé propre petit famille yo et l'autre membre famille comme ça caché pour yo pas dénoncer yo by la justice. Ça fait longtemps de un film qui est les mœurs de la bourgeoisie. Eh ben ça qui est gros moyen qui gros chef, yo caché mauvais monsieur youn pour l'autre, youn serré pour l'autre. Imaginez, yon nom ministre, yon l'autre violé petit garçon, li jeune moyen pas faire arrêter nom ça, li serré ça pour lui, tandis que fait partie même famille. Bible nous, yo pas vle ouya, yo vle vous détruire mais yo pas capable. Parce que c'est loi créateur l'univers là écrit pour les hommes contre qui gens yo de comporter yo dit bagay sa yo c'est perversion. L'Éternel fâché, il va juger sévèrement tout monde qui commet action sa yo. Nous même qui respecter Bible nous pas entrer là-dedans tandis que nous voyons masse si c'est pas la majorité même surtout dirigeant gros mission gros tête mission accepter avec idéologie ça donc yo trahi bon Dieu yo trahi peuple yo atoui chrétien tout pas d'accord avec mon capture ti moun nan vote yo toujours pas d'accord avec zafè idéologie du genre ça veut dire un garçon qui a transformé en femme qui a transformé en garçon puisque moun ki a fait propagande pour bagay sa c'est eux même qui ont pouvoir nan men yo et c'est eux même qui a dirigé yo fermé tête yo dans un courant où les mondialisation et ben normalement yo prend position contre les vrais chrétiens qu'on a ouais pays qui dit aux démocrates tels que États-Unis, Brésil a metté gros pression sous évangélique yo monde qui adhérer à tout enseignement Jésus-Christ te baillou et cap défendre yo et qui pas honte pour défendre yo. Dans pays Angleterre par exemple, dirigeants et partisans LGBT yo menacés pour retirer koyo l'on processus discussion qui est lancé sous question sexuelle si évêque yo pas ba garanti urgent pour soutenir mariage monde qui gen même sexe. Et ben au moyen nan men yo pour faire pression et comment faire si tu as discuté avec yo parce que en position de force. Paraît-il qu'il y a une grosse décision qui prend par l'administration américaine en faveur de la communauté LGBT. Comme nous connaissons, depuis ce mois de juin, Mounsaou a fait gros parade dans la rue, a fait gros fête, parce que yo dit moi ça c'est moi fierté yo. D'après information qui est à la disposition nous, décision qui prend, c'est que dans tout pays qui a rapport avec les États-Unis, ambassade yo gen droit hisser drapeau LGBT, beaucoup de drapeaux américain. Ça, c'est un gros signal que lié. Donc, on est drapeau en pays qui salvo. Associer yon lot drapeau avec drapeau yon état, gen pil signification. Est-ce que l'Amérique, les États-Unis, livré totalement à communauté ça? Est-ce que pour l'Amérique, n'a pas de gen genou là, les jours de l'autre? D'ailleurs, c'est ça, chrétien, qu'on s'abdi. Mais pourtant, pour la presse gay, normalement, yon pression, yo joignent yon liberté que yo apprécier en pile et pour l'autre grand média yo ça va permettre yo avancer significative dans pays côté au considérer homosexualité tant qu'un crime. N'est passé te gagne un problème te gagne gros soulèvement dans pays d'Haïti lorsque te gon drapeau LGBT qui te hissé sous tête ambassade pays Canada. Et ben paraît-il Haïti va gagne pour vivre même scénario ça parce que il possible pour un drapeau LGBT hissé sous tête ambassade
américaine dans le pays d'Haïti. Dans le pays Israël, ça a déjà fait à Tel Aviv, côté drapeau LGBT, c'était sous président Obama, qui était hissé sous tête d'ambassade les États-Unis. Cette fois-ci, ça a concerné un bon autre pays. Qui pays qui pas accepté, nous ne connaissons pas. Nous avons une relation diplomatique entre la Russie et les États-Unis. C'est une situation difficile. Nous avons commencé à économiser là. Et c'est un pays qui a pris l'osé. Ici, un drapeau LGBT sous tête ambassadeur le pays, la Russie. Quelle que soit la puissance pays, ça a gagné. En tout cas, nous commençons à constater qu'il y a un retour en force de la communauté LGBT. Nous maintenant, nous, probablement, nous allons faire un peu de pression sur l'église aux États-Unis. Chrétiens, préparez-nous pour nous faire face à la situation ça qui a développé. Si elle que nous est là, c'est que nous aux commandes. Songez ce qui est passé sous ex-président Obama. Songez, je me dis, nous, ce ralentissement qui fait là, pendant 4 ans de gagné, c'était en pause. Et bien, nous avons joué à Binio qui vient savoir lier. Mais, mandé bon Dieu force pour nous résister. Chaque gouvernement gagne raison par yo pour mettre pression sur le monde qui a servi bon Dieu, qui veut respecter bon Dieu. Ça veut dire nous-mêmes, les vrais serviteurs de Dieu, trouvez-vous dans un étau. Songez Jésus-Christ et dit-nous, faut que nous gagnions force pour nous échapper à toute bagaille ça yo qui a venu. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le vrai serviteur de Dieu, fais attention pour ne pas céder à vagues tentations, persécutions qui sont capables de frapper l'église là. Ils se haïront, ils se trahiront les uns les autres. Mais on fait attention, moi et ma vie, pour ne pas parmi les gens qui ont fait ça. Nous-mêmes pour ne pas être debout devant maintenant Jésus-Christ. Laissez en a dit comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà, frères et sœurs, armez-nous de courage et de force qui sortit dans maintenant Jésus-Christ et dans prions-nous, pas suspendre. Dit Amen, viens Seigneur Jésus. Si c'est volonté, n'a qu'à rencontrer pour l'autre rubrique. Mais ça pas empêcher nous souhaiter un bon samedi, un bon week-end. Kembe fait.